encore eux. C'est par où? Je sais pas. Il n'y a aucune issue. Oh non! Vite, s'il te plaît. Je sais. Ça ne va pas les retenir longtemps. Vite. Ils savent qu'on est là. Non, elle est bloquée. Hugo, passe par là. Ouvre-moi. D'accord. Qu'est-ce que vous foutez tous ici? Ils ont coincé une planche. Dans la maison. Tu peux l'enlever? Dégagez. Fais vite. Vite, Hugo, je t'en supplie. Hugo, il est là. J'arrive. Hugo, fais quelque chose. Je dois m'arrêter, Amicia. Continue, Hugo. Encore un tout petit effort. Entrez. Chut, Seigneur, c'est le coin le plus infecté du village. Ils sont où? On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Chut. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trempés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous dans un coffre. Vous êtes sûr? Merci. De l'encens. Ça sent la maison. Mère utilise elle-même. Oh, c'est mieux. Et toi? On doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête! On va se faire attraper! Hugo! On fera ce qu'elle a dit! Ne discute pas! Hugo, attends! C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh, je m'appelle Clairvy. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Clairvy, qu'est-ce qui se passe ici? Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants en sont... Mais où sont vos parents? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvy, alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Oh, tu vas en avoir besoin, mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cour, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Bien, j'ai les outils. Il manque plus que le cuir.
Voilà le cuir. Bon, au travail maintenant. Allez, applique-toi, Amicia. Seigneur, avec de bons matériaux comme cela, je pourrais l'améliorer encore. Parfait. Il faut que j'aille remercier Clairvy. Ah. Alors ? C'est bien mieux. Merci, Clairvy. Merci pour tout. C'est que vous les avez perdus. Ouais. Ils font pas de vieux os, si tu veux mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Lâche ce maillet! T'es idiot ou quoi? Je suis pas idiot! Ne crie pas! Les enfants! Ne faites pas de bruit! Je veux voir maman! Tais-toi! Tu vas nous faire tuer! Maman, elle nous protégerait! Ça suffit! Je veux voir maman! Maman est morte, Hugo! Tu la reverras jamais! Papa non plus! Amicia... Tu mens... Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi. Menteuse. Menteuse, je te déteste. Arrêtez. Hugo, non. Hugo, attends. Ne sors pas, tu es fou. Hugo, reviens. C'est pas vrai! Où ils sont? Où ils sont, bordel? Oh non, il va nous faire tuer! Hugo, je t'en supplie! Je suis désolée, arrête-toi! Mon Dieu! Oh Seigneur! Hugo! J'aurais pas dû crier! S'il te plaît, écoute-moi! Non, laisse-moi! Je suis désolée! Moi, tu ne m'enterreras pas. Je vais commencer par toi. Pourquoi non. Il a fallu que vous veniez ici? Obligé de pas faire ça. Je suis juste un peu rouillé. T'es rapide, mais il suffit d'un coup. Ça va m'aider. Laissez-la.
Je vais te montrer ce que c'est de perdre ce qu'on aime. Crois me faire peur, j'ai servi dans ta guerre. Allez, Conrad, montre-lui ce que tu sais faire. J'ai pas peur de mourir, tu sais. Vous m'avez pris la seule chose qui comptait. Non, n'obligez pas à faire ça. Je t'en supplie. C'est ça. Continue. Seule la mort me désarmera. C'est comme ça que tu comptes me tuer? L'un de nous va mourir. Le vainqueur sera fatigué. Finissons-en. C'est ça. Continue. Seule la mort me désarmera. Amicia. Tu l'as tué. Thank you.